Allez Laurent, c'est ouvert. C'est la tourterelle, tu vois. Une. Tombé. Quoi? Tu veux pas? Franco-là, il est tout sur le départ. Ah! Merde! Tombe un peu! Pas bien! Pas bien! Pigeon vert! Yes! Ah, celui-là, je le garde. Ah, je suis content. Pigeon vert! Yes! Yes, doublé! Doublé! Yes, doublé! Bonjour. Ah, bâtard. Un coucage, tu sais. Là, là, y'en a, y'en a. Le carré, gars. Y'en a. Hey, il décolle là-bas, regarde. Il va tomber, il va tomber, il va tomber. Il va tomber. Il a un plomb dans la tête. Crac. Ah.
Non, 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 là, 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 scandale tout ce qui lui passe. Philippe. Encore derrière.
Allez, tombe. Tombe. À toi, Pascal, derrière. Thierry. Wow. Ça, Thierry. Tombé. Tombé. Ah, tombé. On voit du bois là. Ça envoie du bois. À toi, à toi. Merde. Bien vu. Putain, on les voit pas dans la végétation. Tombé. Putain, il a pris, hein. Bien joué. Attention, attention. Il est où? Merci Quentin. Ouais. Bon, impossible. Il est pris.
Drago. C'est un gros. Ça m'a quel. C'est un gros. Ouais. Dedans. C'est bon, hein? Merci. Ça volait. Merci, ouais. Je voyais rien. Il me dit tire. Je vois rien. Regarde. God. Oh. Comment tu veux le voir là-dedans? Même en haut. Le cul et la tête. Putain, tu donnais du mal. Oh. Ah, il a l'air pas mal. C'est bon. Ouais. Il a l'air assez gros, mais les défenses sont pas gigantesques, je crois. Mais il est beau quand même, c'est un beau. C'est incroyable. Putain, mais je sais pas comment il le voit, je te jure. C'est la même couleur que le rocher. Comment tu veux voir? Ouais, pas mal toi, les dents sont pas immenses. Mais... mais cassé toi, usé. Was the same color than the rocks, you know? And with my glasses, I cannot see. That's why I told you to leave it. Yeah, I do not understand that.
Anna na nyamo mambe mpire rembo mambe ron man. Ouais, Philippe, Philippe. Merci. Merci à vous, les mecs. Oh, merci. J'entends la voiture. Ah ouais. Bon, Philippe. Merci. Voilà, voilà. Signores, signores. Il y a un crocodile. Là. Mon Dieu, je crois, on le voit pas. Yo-yo! Allez, mange.
Redis-moi ça, ce que tu veux. Tu veux quoi? Je ramène des chasseurs? Ouais. Dis-le, il faut beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup chasseurs. Ouais. Beaucoup chasseurs. Je vous prêterai Boukari. Bring. Merci l'équipe. Merci à tous. Se termine, on est sur le chemin du retour. Pascal, tu nous as vraiment accueillis comme des rois, donc merci beaucoup. Et puis je te laisse un peu, toi, de nous parler de ton ressenti et puis nous parler un petit peu du camp, donc de Madiana en particulier. Ça fait combien de temps déjà que toi tu t'es installé? Moi, ça fait 2 ans que je suis installé dans mon camp, que j'ai repris ce camp à Madiana. Depuis 2002, je viens en Gambie chasser et j'ai sauté le pas en rachetant ce camp depuis donc il y a 2 ans. Voilà. Donc cette année, la saison sera exceptionnelle parce qu'on a eu une grosse reproduction de francolins. Ouais, on l'aura vu dans la vidéo. Voilà, donc je pense qu'au niveau du séjour, vous avez apprécié l'ensemble des oiseaux qu'on a vus. On a une densité de phacochères importante aussi puisqu'on a réalisé 6 phacochères pour 6 jours de chasse, donc des beaux phacochères jusqu'à 117 kilos avec des belles bananes. Très très, très beau. Puis à côté de ça, donc on a eu des passées aux tourterelles incroyables et même en journée, tu sais, on chasse les francolins et puis il y a beaucoup de tourterelles qui passent. Et puis on a eu aussi des passées au ganga le soir, qui est un oiseau vraiment formidable, qui a laissé un bon souvenir à tous les chasseurs. N'est-ce pas, Laurent? Oh, est où? La bécasse africaine, c'est un régal. Ouais. Ah, c'est vraiment un joli coup de fusil, c'est surprenant et ça arrive vraiment à la tombée de la nuit. Et c'est un très bel oiseau. Donc je peux que vous inviter à venir nous rejoindre sous le camp, passer des séjours avec nous. Je ferai tout pour vous rendre le séjour très agréable. Ça, voilà. C'est sûr qu'il s'implique beaucoup et puis on a vraiment passé un excellent moment. Je pense que tout le monde est unanime là-dessus. On a fait vraiment belles matinées de chasse, des moments au faco, ça c'est couronné de succès ou non, mais c'est toujours passionnant, toujours nécessite une implication des pisteurs en permanence. Et puis on a tous réussi à faire notre faco, donc on est vraiment bien content. Mission réussie. Voilà, moi les amis, du coup le séjour se termine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de J'irai chasser chez vous. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir l'édition africaine. Et j'irai pas tous les 4 dimanches non plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.